Vas-y. Mesdames et messieurs, en notre dignité, nous avons trouvé quelqu'un incapable d'accepter notre interview. S'il vous plaît, mademoiselle, en exclusivité mondiale, que même CNN ne l'a pas, la première candidate à la présidence, GOT. Présentez-moi la caméra. Allez-y, nom, prénom, adresse, âge, tout ça. Ça fait pas sérieux là pour une campagne. On a retrouvé Ségolène Royal. C'est vrai, c'est Ségolène. On a retrouvé Ségolène. Ça y est, Ségolène, c'est pour ça qu'elle présente son programme le 11. C'est parce qu'elle est là. Elle est là en train de demander aux gens qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc voilà. Seulement, c'est pas réalisable. Moi, a priori, elle est de très mauvaise humeur. On n'arrivera pas à l'interviewer. Désolé. On a retrouvé une quatrième personne. Il n'y a pas de place sur la piste de danse. Ah, si, si. Non, il n'y a pas de place. Ah, il reste encore une personne, mademoiselle. Voilà, alors le clou du spectacle, mademoiselle ici présente, qui est avec monsieur que vous avez vu tout à l'heure. Refaites un coucou à la caméra, confirmez que cette dame est bien avec vous. Un bisou. Confirmez-vous. Un bisou. Un bisou. C'est magnifique. Oh, voilà la langue. C'est magnifique. Et nous l'avons en exclusivité mondiale. Bon, revenons à nos moutons après cette séquence émotion. Comme dirait Nicolas Hulot, on y retourne. Présentez-vous, nom, prénom, âge, et que faites-vous dans la vie? Je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans et je suis étudiante en deuxième année de droit. Et qu'est-ce que vous pouvez faire en soirée goth? Je viens m'amuser, j'adore les soirées goth, j'adore l'ambiance, c'est génial, c'est du bon, et tout, voilà. Depuis combien de temps les fréquentez-vous? Trois quarts des gosses qui viennent ici, ça fait longtemps qu'ils viennent là. Bien avant votre pauvre serviteur, Jean de la Bibus. Donc voilà, maintenant, une chose est sûre, le goth ressemble à vous, il ressemble à moi, enfin moi, à moi quand même, à vous. Et surtout, il n'est pas du tout ce qu'on dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo servira pour une grande cause. Ici Jean-Louis David, à vous les studios.